Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis le café de BX. J'ai été faire couler un BX et nous sommes donc maintenant prêts pour le stream évidemment. Je vous déteste. Très bien. Bonjour tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez bien évidemment. Nouvelle soirée de stream. Bonsoir Yume, bonsoir Backrider, bonsoir Elio, bonsoir King Guardian, bonsoir Amaryllis. Bonsoir Baxter, bonsoir Dolo, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Alors, avant de commencer, vous savez que j'aime bien parler un petit peu de trucs qui sont arrivés, de trucs qui se sont passés. Salut Laito. Et je vais commencer par vous montrer quelque chose que j'ai fait avec Silux. Enfin, c'est Silux qui m'a donné le tips. Et notamment, Silux m'a montré comment on pouvait intégrer des trucs d'OBS, enfin de Twitch directement dans OBS. Alors, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, et le seul truc qui me dérangeait vraiment ne fonctionne pas. Ça tombe bien. En gros, j'avais un truc avec mes stats du stream, viewer, etc. Et en fait, ce bouton-là ne fonctionne plus, enfin, ne fonctionne pas, et parce qu'il ne s'actualise pas bien. Et en plus de ça, il est affiché en white mode, donc en mode blanc dégueulasse à la place d'être affiché en dark mode, night mode. Donc c'était terrible. Merci beaucoup Draxter qui prend un sub, troisième mois, merci beaucoup. Et qui du coup est en train de profiter de la ribambelle d'annonce, plus de la ribambelle de Draxter écrit à droite. Incroyable, hein. Le sub le plus worst de l'année. Et donc, comme vous pouvez le voir sur mon OBS, il y a les actions rapides. Comme vous passez de la pub, si j'appuyais là en étant un énorme sac, ou alors modifier les infos de stream ou commencer une prédiction. Donc ça, je peux commencer des prédictions maintenant sans avoir besoin d'aller sur Twitch. C'est depuis mon OBS, et ça c'est incroyable. C'était mon premier sub, le meilleur. Ah ouais? Je me souviens plus de Restock, qu'est-ce qui s'était passé pour le premier. Et donc là, mon fil d'actualité qui normalement est sur Twitch, eh ben, il est sur OBS aussi. Et là, Waifu qui normalement n'est pas là, est sur OBS. C'est-à-dire que c'est une box. C'est une box, c'est-à-dire que j'ai. C'est le premier sub de la chaîne Dragster, bien joué. Donc en gros, c'est une. J'ai hébergé l'image, j'ai mis l'adresse de l'image, et du coup, l'adresse est là. Donc hypothétiquement, vous pouvez ajouter à OBS n'importe quel site web. Tout à l'heure, j'ai essayé avec Spotify. Spotify ne fonctionne pas à cause d'un problème de plugin, mais vous pouvez à peu près tout faire. Et c'est plutôt une. Donc, Amaryllis, si tu veux du coaching, comme je te l'ai dit en DM, c'est quand tu veux, je t'explique ça, aucun problème. Très bien. Hop, on va remettre ça en plein écran, et voilà. Merci beaucoup pour les abonnements. Et du coup, le 102 s'est bien mis à jour en bas à droite, c'est incroyable ce qui se passe. C'est Fury, c'est Ginovrain. Et du coup, voilà, c'est beau, c'est d'e-sport, et surtout, ça fonctionne. Alors, qui est-ce qui est quoi sur le serveur Doloco, Laito et Uldrassik? Incroyable. On s'était dit ce soir qu'on faisait. Oui, qu'on faisait Immersive. Non, Immersive, c'est fait, qu'on faisait Refight. Ah oui, on avait dit qu'il fallait qu'on mine un petit peu. Et juste avant de s'arrêter, on s'était rendu compte qu'on était un petit peu con. Mais tout va bien, puisque c'est pas grave d'être con. On le sait, ça, qu'on est con, depuis un moment. Mais vous inquiétez pas.
Parce que ça se soigne. D'ailleurs, Marie, j'ai une question pour toi sur FF14. Mais je sais pas si tu as de l'expérience dans la catégorie. On a ce qu'il faut. On va descendre. Ah, on a dépassé. Allô? Allô? Mais quand même, c'est où? C'est où la canne à sucre? Mais quand même! C'est où? Là, on n'a pas beaucoup de charbon. On se charbon. C'est vrai qu'on avait dit qu'il fallait qu'on fasse un donk nul. Et on va en avoir besoin. On remonte. On fait un donk nul. Est-ce qu'on va en avoir besoin pour ce qu'on va faire? Quoi? C'est tout? C'est tout ce que ça coûte? Comment ça? Salut Mindflower, comment tu vas? Et du coup, Marilys, je me demandais ce que tu pensais de la jouabilité. Du Dark Mage en raid. Si t'avais déjà essayé de raid en Black Mage. Donc nul, c'est pas le 0 du coup. Sinon, c'est pas le même mode là, c'est tout. C'est juste que c'est pas le même mode. Et donc là, techniquement, si je jette ça et de la cobble, il devrait ramasser que la cobble. Pas du tout. Ok. Donc là, normalement, c'est bon. Eh mais non, mais j'ai retiré, je suis trop con. Attendez. C'est bon, configade. Okay. C'est pour ça, une fois que moi je fais jamais de sieste. Les siestes, c'est le piège de ouf. Vous savez que j'avais mis le chat aussi sur OBS. Le truc c'est qu'en fait je ne peux pas le mettre à gauche. Hein. J'aime trop avoir le chat à droite et du coup... Bah je peux juste pas le changer, je suis trop con. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que vu qu'on a une pioche infinie, on peut miner comme ça. Voyez ce que je veux dire? J'ai essayé, faut vraiment maîtriser la classe à 100% pour pouvoir la jouer dans les défis et raids endgame, Savage et extrême de Shadow. Black Mage Lambda fera toujours des bêtises, se prendra des euros dans la tronche, vraiment dans le camion, surtout qu'il faut être extrêmement réactif, il faut bouger énormément. Ouais, voilà. Bien d'accord avec toi, c'est ce que je me disais. Et le truc, c'est que... comment expliquer ça en le moins de mots possible? Et de façon... Enfin non, peut-être pas le moins de mots possible, mais... Comment exprimer ce que je ressens d'une façon simple et qui permette de bien retransmettre ce que je vis.
Attends, j'essaie de trouver les mots. Ah oui, je suis un abruti. Et moi, quand on me dit qu'une classe est dure à jouer, mais qu'elle est hyper rewarding si tu la joues bien, bah j'ai de ouf envie de la jouer, même si elle est super dure, en fait. Ouais, comme ça. Pas bien de masquer les notifs de son dans un chat précis. De quoi tu parles, FF? De FF? Twitch. Attends, pas moyen de masquer les notifs de son dans un chat précis parce que si oui, tu peux les afficher dans le chat de gauche et masquer en chat de droite. Non, c'est publier une chat tout court. C'est l'appli qui le fait. L'appli, elle le met juste dans ton chat. C'était mieux en shapeless, en fait. Bon, voilà. Et puis, sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Rien de spécial, hein, vous savez. Aujourd'hui, j'ai tenu une conversation intéressante et dans laquelle nous avons échangé plus de 2 messages en 7 heures avec Amaryllis. C'était donc une bonne journée. Alors, la Vinos avec Amaryllis, eh bien, justement, nos 6 messages de suite sont peut-être ce qui se rapproche le plus d'une nuit de noces. Après, si tu veux apprendre à maîtriser une classe, il n'y a pas 36 solutions. Pas régulièrement les défis et raids 80, s'entraîner sur les mannequins, capable de s'adapter, modifier ses barres de skill au besoin. J'ai mis plus de 3 ans à maîtriser pleinement Astro. Ah bah ça, j'en doute pas, oui. J'en doute zéro à ma liste là-dessus. Tout comme moi, j'ai mis 2000 heures à jouer, je pense, correctement tank. Même si je suis un peu... Je joue plusieurs tanks, j'en maîtrise vraiment aucun à 100%, loin de là. Je pense bien m'en sortir en Palou slash Gunbreaker quand même. Du moins sur l'aspect tanking. Je pense pas faire d'erreur de tanking. J'ai peut-être des erreurs de rota où je pourrais faire plus de dégâts, mais je pense pas faire d'erreur de tanking, ou plus en faire du moins. Mais oui, c'est le genre de choses où je pensais... Je pensais le jouer et me planquer en roulette Eden pour m'entraîner sur des fights chiants où faut beaucoup bouger et puis. Désolé. Salut Baron, comment tu vas? Tu me prends pas à pied d'XP, j'en ai pas réellement besoin en ce moment. Par contre, vous savez que je fais des trous de taré là et tout, mais. Ah voilà, j'étais en mode. Je cherchais du diamant parce que j'en ai plus en fait et j'en avoir besoin dans Refined. Et j'ai genre trouvé quasiment aucun diamant. Je suis bon les gars, ça va quand ça se voit. Et du coup mon dent qui ressemble à quoi là? Ah ouais déjà? Ah oui. Ah oui déjà. Ça va vite hein. Ah mais on est descendu trop bas là. Avec tout ce buzz bois. J'ai pas du tout regardé, on était beaucoup trop bas.
Oupsi. En vrai, je me dis que 4 diamants, ce sera peut-être assez pour... Il fallait une aide. Peut-être remonter, du coup. Après, tu as la version la plus petite du donc nul. Bien sûr. Non, mais ça, c'était pas... Je suis pas du tout en train de mettre la faute sur le mode, hein. Loin de moi l'idée. Ok. Ensuite. Alors déjà ce soir on va travailler sur justement l'incorporation de comment on appelle ça? De Refined Storage. Donc du vrai stockage. Oui, non, mais ça va vite, ça. J'ai été surpris d'avoir autant de commandes. Mais oui, c'est écrit 256, donc oui, ça y va. Hein. Salut, SLOP1, salut, c'est Guillaume. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le stream de ce soir. Déjà, sur la FF14 de Marily, ça m'a motivé. Je l'ai regardé l'autre jour en stream et je me suis motivé. Je me suis dit à partir de maintenant, je vais faire mes carnets de Chloé. C'est déjà beau. D'accord? M'en demandez pas trop. Refinance Storage. Pour le donc, tu peux le mettre en pick-up void. Il gardera un slot de matériaux et validera le reste. Oh! Ce gars est né. Ok, donc là faut le filtrer. Pourquoi celui-là il est vert? C'est pas clair, mais d'accord. Ok, donc la prochaine fois qu'on descend, on fait ça. Ça marche, merci. Ce gars. Donc, Refinite Storage. Pourquoi est-ce que ça commence, Refinite Storage, le chat? Un contrôleur? I guess. Oui, Mad Max. C'est le truc le plus OP. Ah, ok, vas-y. Et tu l'as trouvé? Tu l'as trouvé comment, le All the Modium? Parce que ça, moi, je l'ai déjà vu dans la liste et je savais que c'était OP, mais. Où est-ce que t'as vu ça? Et le chat, d'ailleurs, vous savez que j'ai trouvé une autre utilité à la waifu animée en 2D qu'on va bientôt avoir normalement. Je vais pouvoir porter plus souvent mes lunettes d'ordinateur. Donc c'est des lunettes qui ne servent à rien à part à couper les lumières bleues. Donc c'est pour reposer les yeux. C'est pour reposer les yeux quand t'es fatigué. T'as la giga flemme et que t'as des migraines ou ce genre de choses. Ils ne servent pas à grand chose à part ça. Je les ai depuis des années et je les mets jamais. Parce que j'ai une tête de con quand je les porte. Vous savez, ceux qui me font depuis longtemps savaient que j'ai une tête de con quand je les porte. Et que les lunettes, ça ne me va pas. Donc, ce sera parfait puisque je pourrais vous mettre la waifu. Et moi, je serai avec mes grosses lunettes derrière. Personne ne pourra me juger. Et comme ça, je vais peut-être sauver mes yeux sur le long terme. Et ça, c'est beau. C'est ok tiers en vrai. De vieux, pas de con. Super. Maëlys, c'est quoi ton avis sur BX Kid avec les lunettes? Un avis féminin serait le bienvenu. Ah oui, alors, Refinite Storage, c'est une histoire de quartz. C'est une histoire de beaucoup de quartz. Et vous savez, ce qui tombe bien, c'est qu'on n'en a pas beaucoup de quartz. Donc, nous allons aller chercher du quartz.
C'est parti. Dommage, obligé de faire AE du coup. Non, Furis, parce que AE demande aussi du quartz. Faux argument, ça, je reconnais. Vous savez qu'il va falloir à un moment donné X ou Y que nous trouvions une vraie source de nourriture. Hein. Parce que là, on tourne encore sur les burgers du premier jour, mais il va falloir trouver quelque chose. Hein. Hein? Mais attendez, j'étais passé. Ah oui, non, mais je suis trop bête. Justement, pour passer, j'étais passé par là-bas. J'avais zappé. Maille battue. Bah, je me ressens. Oh là, j'ai failli tomber. Des carrosses, all the modium au pire. Sauf que mon ami, je n'ai pas de all the modium. Ça. Oh, c'est les relous, c'est ça. J'ai une arbalète. Une arme dangereuse. C'est une arme fort dangereuse que vous avez là. Sûr d'apprécier. C'est normal que tu t'apprendais à quoi? Je sais pas, hein. Comme la moitié des arbres de Minecraft de base, que ce soit nul à chier. Je m'attendais à taper aussi forte qu'un barbe dans FF14, quoi. T'aurais vu pourquoi c'est nul si t'avais d'autres flèches. Non mais je m'en suis douté. Ça a une tête d'item qui a un temps de rechargement d'environ une demi-heure pour un carreau de flèche. Enfin, un carreau. Ça a une tête de ce genre d'item. Ça a une tête de je me recharge en un quart d'heure. Je le vois dans ses yeux. L'idée ici c'est d'avoir 1600 arbalètes chargées dans ton inventaire pour pouvoir spam. 1600? Comment c'est possible? Ah, hyperbole, ok. Je me disais que ça commençait à faire beaucoup. Je peux aller à droite. Hein. J'en prends pas mal du quartz parce que comme ça on pourrait être tranquille pour refiner et pas avoir besoin de ressortir dans le nether toutes les 2 minutes.
Si j'avais Silk Touch, j'aurais pu l'Enrichment Chamberiser après, mais j'ai pas Silk Touch. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai tweeté la vidéo du mariage tout à l'heure. N'hésitez pas à aller like, retweet, enfin faites de la pub à Marylis, quoi, elle mérite. J'ai failli dire la petite, elle mérite. Puis après, j'ai oublié que Marylis est plus vieille que moi. Et que c'est donc ma Onesan. Mais. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui suivent, j'y pense parce que tout découle de là, mais pour celles et ceux qui suivent le manga Eminence in Shadow, il va arriver en manga chez Yen Press. Eminence in Shadow, que moi je trouve très sympa et très drôle surtout. Ça fait mal en cela. Temps de décapitation. Temps de décapitation. J'ai 13 têtes pour 2 magma creep. Ça sert à rien. Mais toujours plus de têtes. Hein? Pourquoi il veut pas aller dans la... Hein? Ok. C'est pas clair. La poubelle a pas l'air d'aimer ces blocs. On a que ça de quartz? Putain, ça avance pas. En même temps, on n'a pas un nether qui aide. Hein. On n'a pas un nether qui nous rend service. On devrait être bon après genre la fin de cette faille là. S'il y a quelque chose dedans. Autre que 1. Oh tu m'as saoulé. Oh quel mob nul le magma slime. Que ça ne sert à rien comme mob. Hein. C'est vraiment le sbire. Hein. À part à pourrir ma vie sur les speedruns, évidemment. Dommage, il vient de drop. Il vient de drop quoi? Ah mais on s'en fout des magma creams. Okay. Pas un vrai problème ça.
What? What? L'air est bleu et tout. What? Oh, l'ambiance dans le Nether, c'est quelque chose. Ça va, toi, je te dérange pas? Viens là. Eh, vas-y. Fais pas. Viens, viens, viens. Comment ça? Bah super hein, là. Ah faut que je dab. Let's go. Déjà qu'à play. Putain, c'est très particulier ce Nether. Voilà. C'est très particulier, mais c'est pas très pratique pour farmer un Netherrack. Hein. C'est beau. Rentrons. Rentrons puisqu'on devrait avoir ce qu'il faut. Oui, les têtes, elles veulent pas être pistes dans ces tapes. Ok. Nice. On peut avoir pour upgrade le four aussi. Moi j'ai pas assez, c'est genre plus d'émeraudes que ça. Je sais pas ce qu'il faut pour le faire. Alors, iron. Contrôleur. I need 4 dunrushes d'iron. Un reprocesseur qui se fait avec redstone, du diamant, un processeur binding et du silicone. Le silicone, c'est en cuisant du... n'importe quel quartz, ok. Et le processeur binding, c'est slime ball et ficelle, ok. Ça peut se négocier. Je peux en discuter autour d'une table, c'est ok. Pas de ficelle? J'avais pas beaucoup de ficelle pendant un temps. Pourquoi tu mens? J'avais 50 et quelques de ficelle, je crois. Nani? J'ai tout âge? Mais non. Ah, attends. Qu'est-ce que j'ai foutu avec mes ficelles, le chat? Ah, je crois que je les ai doumed. Hein. Je crois que je les ai doumed.
Ficelle dans le coffre à Enchantbook. Ah oui, là, pardon. Là, c'est... Les coordonnées de l'end. Oh. Alors, ok, je pense que dans un premier temps, ce sera suffisant. Ensuite, on avait dit qu'on avait besoin d'un diamant, de redstone. Normalement, tout ce qu'il faut. Contrôleur, tac, tac. Ah non, il faut faire que du silicone. Et dans l'Enrichment Chamber... Ah non, Energy Smelter, c'est pareil. Il n'y a rien qui peut nous sauver. Et c'est... C'est quoi déjà pour... Emerald Fornice... Ah non, c'est juste 9! Enfin 8, pardon. Let's go. Ça alors. Attendez, le chat, il n'y a pas de raison. Hein. Et ça, c'était quoi? 4 d'Opsy et 4 de Blaze Rod. Il nous reste aussi suffisamment de Blaze Rod, le chat. Il semblerait que non. Il faudra les tuer juste de quoi avoir 4 Blaze Rod. Et bienvenue, Doudou, écoute. Bon, ça, c'est qui dans une fois, vous savez bien. Non, voilà. Mais ça. Quoi? Le vieux Zéphiro. Qui c'est qui a fait quoi? C'est Marylis. Merci beaucoup, Marylis. Très généreux de ta part. Hein. Je te remercie fort. Je vais te demander à Marylis d'ailleurs. Maintenant que tu sais. Quand est-ce que tu travailles? Est-ce que tu prévois de te faire un planning de stream régulier? Ou est-ce que c'est toujours un petit peu quand tu le sens? Je vais vous poser la question. On a looting sur cette épée? Non. Malheureusement, non. Faudrait qu'on le rajoute. Si on peut. Ça? Sûrement quand je le sens. Et plus souvent dès que j'aurai la fibre. Ah oui, c'est vrai que tu avais ce problème là aussi. Et ça, ils t'ont donné une date, ton opérateur? Ou c'est le fameux ça arrive? Pourquoi vous me donnez constamment des têtes? Parce que j'ai décapitation. Ça. Je vais avec mon katana et je décapite des gens. De gaming. Mais la tête, c'est quasiment systématique. Ah, le bot aime pas mon message. Ah, qu'est-ce que t'avais mis dedans? J'ai même pas vu... Je l'ai même pas vu se faire supprimer. Ah, est-ce que tu as mis un mot interdit? Mais qu'est-ce qui est... Il y a quoi comme mot interdit de chat déjà sur notre chat? Attendez, qu'est-ce qu'on a mis en mot interdit que t'aurais pu écrire? Modération. Si elle a écrit follower, peut-être. Ça m'étonnerait qu'elle ait écrit follower. Enfin, je vois pas le sens dans sa phrase. Qu'est-ce qu'on a mis? Yellorium.
Ah, attendez, on nous embête. Quels sont les mots interdits? Attendez, où c'est qu'on les voit, les mots interdits? Oh, laissez-moi tranquille. Attends, il y a ma MLADM du coup. Ah, Famous! Elle a écrit Famous, mesdames et messieurs. C'est pour ça qu'elle s'est fait auto-timeout. Le Famous, mesdames et messieurs. Le Famous a été écrit dans le chat. Interdit ce mot ici. Pourquoi, Marylis? Et tu devrais l'interdire sur ta chaîne aussi. Petit conseil de streamer qui a 2-3 heures de streaming à autre streameuse. Il y a des bots sur Discord qui viennent te dire envie de devenir famous? Achète des followers ici et qui mettent un lien. Et ils viennent par groupe et c'est un enfer. Donc, bannir followers et bannir famous, ça marche plutôt bien. Twitch, j'ai dit quoi? Je sais plus. Bref, ils cassent les couilles. Donc, voilà pourquoi il faut bannir ces mots. Ah mais du coup c'est du côté de ta famille où vous êtes pour l'instant chez quelqu'un d'autre où il n'y a pas la fibre et vous allez peut-être aller chez Orange qui lui a la fibre, c'est ça? Pas évident comme situation. Un coffre, de la cobble et de la stone. C'est embêtant de faire une poubelle. Vive la lave. D'ailleurs, tout à l'heure, le chat, mon casque m'a refait les parasites. Je vais peut-être pas attendre que le sub-goal soit atteint pour me racheter un casque. J'ai de la motivation extérieure à en racheter un là. Il y a des gens qui s'achètent des casques tout neufs. OP, qui me donne très envie d'acheter le mien. Je vise personne ici, évidemment. Bon alors Marylis, après quelques heures, il est comment? Toujours trop bien. Non, la mine, elle est pas là. Toujours trop bien. Nice. Tu entends encore mieux tes sorts sur FF14 quand tu les lances. Tu t'entends mieux spammer les potes. Est-ce que... J'ai une question pour vous le chat et la réponse va sûrement pas me plaire. La réponse va très sûrement pas me plaire. Elle entend mieux Papaya, j'avoue. Est-ce que j'ai été miné 6 de cobalt alors que j'ai sûrement un demi-double chest de plein? J'entends quand même la Lafelle hurler à l'IMSA. Aïe aïe aïe. Ah d'accord, Laito, courage en créa du coup. Laito qui va tester des choses en créa puisqu'il a des conflits avec ses abeilles. C'est vrai que les Lalafell, quand ils font des emotes, ils me donnent légèrement envie de trucider des gens. C'est vrai que c'est déjà arrivé que j'ai des envies de meurtre à cause de Lalafell qui spamme les emotes à l'IMSA. Enfin, c'est arrivé, oui. C'est des choses qui se sont produites. C'est une situation que je connais. Très bien.
Non, mais je pense que on verra l'évolution des subs, mais je me le prendrai peut-être la semaine prochaine. Puisque il fait besoin au-delà de il fait envie aussi. Donc... C'est que c'est quand même pas pratique quand t'as. En fait, surtout que je sais pas pour quelle raison, mais je dois avoir un faux contact quelque part. Déjà, j'ai un faux contact qui fait que ma barre de. La petite molette de volume est dead. Des fois, j'entends plus que sur une oreille dès que je touche trop à la molette. Ou même que je la touche par accident. Et du coup, pareil, j'ai un vieux faux contact qui fait que juste sur FF14, j'ai un problème de son. J'ai un vieux bruit dégueulasse. Ce qui évidemment m'emmerde. Puisque je suis sur FF14 quelques heures par jour. Faut pas dire toute la journée. C'est vrai que c'est embêtant. Ah, il faut de la netherite. On n'a pas de la netherite, c'est dommage. On a bien aimé avoir de la netherite. Bon, déjà, l'obsidienne devrait être pas mal. Oh oui, il marche plutôt bien. Il est honnête. Il est honnête. C'est un four honnête. Et du coup, je me demandais comme ça, Marie, mais tu l'as acheté où? T'as été le chercher en physique? T'as trouvé un magasin qui l'avait? Parce que quand j'avais comparé les casques, justement, j'avais regardé 2-3 magasins sur Rouen qui avaient genre zéro stock pour celui que t'as pris. Parce qu'il était dans la top liste des possiblement ceux-là. Genre, moi, il y avait Cuds. Genre, personne l'avait, quoi. Ah mais c'est ça aussi que je peux faire. Je pense que je vais faire ça. Ouais, je pense que je vais me le commander bientôt en fait. Je vais me le prendre en retrait avec... Genre je vais me le prendre en retrait... Retrait un jour en magasin là. Ça fait 3 semaines que je cherche un nouveau casque et celui-ci a effet de l'œil à Micromania. Tu peux aussi payer en 4 fois. Ah, ça m'étonnerait que Micromania est celui que je cherche, mais. Mais pourquoi il m'en a mis 3 dans mon panier? Je comprenais pas. J'étais en mode. Pourquoi est-ce que le casque il vaut 599,97 €? Ça fait beaucoup 599,97 € quand même. C'est parce que j'en avais mis 3 dans le panier. J'ai peut-être pas besoin de 3 fois le même casque. Parce que le truc c'est que je peux l'avoir à la Fnac d'à côté de chez moi, qui est à 400 mètres, la Fnac, en genre demain, enfin non, un jour ouvré. Donc j'imagine que je l'ai le jour d'après, quoi. Ça peut se faire. On peut en parler, peut-être. Je verrai. Ça dépendra de si je résiste à l'achat compulsif. On verra. Si mon casque me refait de la merde et que je suis en mode bagouille.
Ouais, non, sur Micromania, ils l'ont pas. Je vais regarder vite fait. Pourquoi? Hop. Et ensuite, contrôleur. On le met quelle couleur, le chat, le contrôleur? Amaryllis, tiens. Toi qui donne tant de bits. De quelle couleur est-ce qu'on met le contrôleur? Tu as toutes les couleurs que tu vois là, là. Sur la droite. Désolé si c'est un peu petit. Dis-nous. Toi qui es la mécène du stream ces derniers jours. De quel color? La même couleur que la chemise. Le cyan ou le bleu, du coup? Parce qu'elle est. Ouais, c'est. Il y a plusieurs bleus dessus. C'est chiant en fait. Ouais. Mette pas. Que j'ai cette couleur là, bah, cette couleur là, il est éteint surtout. Là, il est allumé. Si je veux bien, vas-y, tu peux le faire. Je t'en prie. Onegaishimasu. Merci. Là, il est bleu comme ça. La chemise, elle est plutôt bleu foncé. Ça marche ça de faire un clic comme ça? Oh oui! Oh, ça fonctionne! Avec le nouveau Digital Miner, tu pourrais me dire quoi taper en tag pour avoir que les minerais? Forge, 2 points, ores, slash, ouais, c'est ça, je crois. C'est exactement ça, Leito, je crois. Donc ça c'est bon le chat. Maintenant. We need crafting grid. Donc pour ça il nous faut un advanced processor again. D'ailleurs, c'est ça que j'ai pas essayé sur le nouveau truc là. Enfin, vous savez, le fameux comment modifier son OBS. J'ai pas essayé de mettre certaines extensions ou quoi. Voir si je peux récupérer les infos des extensions. Comme je regarde pas trop OBS, je pourrais peut-être récupérer des extensions du style les sons qui font peur. Et comme ça, j'aurais pas besoin de scroll pour voir qui est le responsable juste après un screamer horrible. Mais faut pas que ça me spoil. Donc faut peut-être éviter. Ouais. Peut-être éviter pour éviter le spoil. On n'a pas envie de se faire spoil après tout. On passe de super moments. Après tout. Des bisous Draxter, des bisous. Ciao, ciao. Ça m'a saoulé de chercher à chaque fois.
Et du coup, il faut une table de craft et une grid. Et la grid, c'est une machine casing. Ça m'emmerde. Je déteste les crafts où il y a plein de couleurs parce que c'est trop chiant quand tu cherches un truc en particulier. Un construction core, c'est... Ah, ok, il faut des basiques processeurs. Ils sont comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour être tranquille. Et ensuite, il nous faut... Ça, c'est pas le même, évidemment. Ça, c'est trop facile. Hop, hop, hop. D'ailleurs, j'ai dû penser, mais... Couvre-feu à 18h. Alors, loin de moi l'idée de m'apitoyer sur mon sort hein, pour le couvre-feu à 18h, parce que je travaille depuis la maison, donc c'est vraisemblablement ok la plupart du temps. Le seul truc qui est embêtant auquel je viens de penser, c'est que ça veut dire que les journées chargées, de type les journées FF14, au niveau de, tu sais, s'il y a un patch note ou s'il y a ce genre de choses, je serai dans l'incapacité absolue de sortir après le travail en mode si jamais j'avais une course à faire ou quoi, c'est dead. Donc faudra que ce soit fait, faudra que ce soit fait avant le taf, quoi. Parce que je peux pas faire comme certains qui peuvent rentrer du boulot et dire bah je rentrais du boulot, tu vois. C'est-à-dire que moi je ne peux pas, enfin j'ai pas d'excuse si je veux ressortir après. Donc faudra que je sorte toujours avant 18h. C'est-à-dire que. Oui, enfin, c'est-à-dire que avant, je fais. J'aime bien travailler et une fois que j'ai fini de bosser, aller faire mes courses, par exemple. Et du coup, là, il faudra que je pense. Surtout, en fait, il va falloir que je calme mes habitudes et que je le fasse avant, du coup, pendant la journée de taf, au pire. Mais ça va, parce que j'ai la chance de pouvoir m'adapter et d'adapter mes horaires de travail quand je veux, donc je m'en fous en réalité. C'est juste que. Chasse les habitudes et reviens au galop, je vais avoir envie de sortir me faire mes courses à des heures pas possibles. Vous savez que l'autre jour, je suis sorti par réflexe avant le stream, vers 20h30, un truc comme ça, pour aller faire mes courses. Je me suis retrouvé devant le magasin, il n'y avait personne dans les rues, et c'était fermé. Et dans ma tête, j'ai fait. Julien? Ouais, je crois à couvre-feu, hein? Ah ouais, c'est vrai. Du coup, je suis rentré en deux spi. C'est le magasin d'en bas de chez moi, tout va bien. Mais j'avais complètement zappé. J'avais annihilé Amended. Non mais j'avais annihilé de ma tête l'existence du couvre-feu. J'ai tellement pas l'habitude de sortir souvent que j'avais complètement oublié. C'est pour ça que je pense que les gens vont dire que je m'auto-pompe. Ils auraient peut-être raison. Mais je pense que sur plein de points, je ferai un très bon homme à marier. Mais il y a des points sur lesquels non. C'est-à-dire mes mauvaises habitudes. Après, ça se tabasse des mauvaises habitudes, hein, ça se change. Mais c'est-à-dire que... Sortir les poubelles à 2h du matin, c'est mon petit truc, quoi. Sortir les poubelles à 2h du matin, c'est mon petit truc à moi. Alors, évidemment, si j'avais une waifu en train de dormir à côté, j'irais peut-être pas sortir les poubelles à 2h du matin. Mais là, en tant que célibataire accompli, sortir les poubelles à 2h du mat, c'est le petit truc, quoi. Ou faire mon sport à 2h du mat aussi. Me mettre à faire du squat, des pompes et des abdos à 1h30. Ça, c'est ces derniers jours là, c'est ce qui se passe. C'est une passion. Une passion.
si vous voulez vous marier avec BX Akid, prenez ça en compte. Les premières semaines risquent de demander de l'adaptabilité et de casser les mauvaises habitudes. Je dis ça comme si quelqu'un voulait se marier avec moi, mais c'est pas celui qui se marie avec moi. On est safe. Quoi? On peut faire ça. Il me reste pas beaucoup. Il me reste des barres en acide, quoi. Faut en faire. Non. Faudra refaire. Faudra en refaire. Des barres en fer. En refaire. Putain, les gars, vous êtes pas drôle, hein. Quête de lave, du charbon, bloc de redstone. On n'a encore rien dit. Non mais je sais que vous me jugez. Je sais que vous êtes très fort en train de me juger. C'est comme quand je mon estomac qui gargouille et que Marilys me juge très fort. Et ça c'est parce que j'oublie de manger des fois. Et j'ai un estomac d'énorme dalleux qui fait que toutes les 2 heures, il faut que je me nourrisse. C'est pas ma faute, d'accord? Là c'est le nord, là-bas c'est le sud. Sinon je peux tout mettre en ressources input-export. Oui. Tout en input-output ça marche aussi. Nice. Ça fait son hospice. Alors maintenant que ça fonctionne. Ça marche si je fais ça, à votre avis? Oui. Voilà, Refined qui montre déjà qu'il est bon. C'est sûrement possible sur Applied aussi. Crafting Eye. Check tes crafts Refined. De quoi? Mais craft de quoi? Ça c'est chiant. Ça c'est bien. Le problème, c'est que je suis pas spécialement fou.
Ok, bah je comprends pas. Ah. Qu'est-ce que tu comprends pas? Ça marche en créa mais pas en solo, c'est ça? Ça marche en créa mais pas ici. Ok, nice. Non, le crafter base, les blocs qui permettent, je suppose, les autocrafts. Ah. Ah. Dépêche. C'est gratos. C'est gratos. Et j'imagine qu'on peut aussi wifi-iser très facilement tout ça. J'imagine que receiver, reste transmetteur et tout, c'est le wifi gratos. Facilement, j'imagine. En plus des créateurs de base, tu as des upgrades Iron Gold, etc. avec des stats assez fumées. Ah ouais? Trop bien. Yellow Relay. Lime Crafter, Pink Light Crafter. Ah, tu peux tout changer en ressources. En couleur. Trop marrant. Faudra qu'on essaye. Ah, mais là, tout de suite, il me faut des disquettes. Alors, les 1K. Les 1K, c'est rigolo, mais vous savez, moi, j'ai toujours été un mec qui préférait les Mayas. Pardon, j'arrête. C'est pas très cher, hein, quand même. Donc, c'est quoi? Il faut du verre, du quartz, de la redstone et du quartz. Je t'enfonce. Comment ça? Je suis presque sûr qu'il y a des gens qui rigolent à ces blagues. Personne rigole? Vraiment? Merde. Dommage, le base de medium manque dans ces situations. Comment ça? Charbon. J'ai une playlist. On rigole car les blagues sont nulles et tu nous fais pitié. Bah super, super gentil ça, fait plaisir. On a essayé de communiquer avec moi. Parfait. Mais du coup, Amaryllis, une fois que je t'aurai fait le tuto, si tu veux du tuto, tu pourras mettre tes emotes dans ton OBS. Vous savez que du coup, je sais pas si vous l'avez vu, ah, faut que je tape. Pas si vous avez vu, mais moi, dans mon OBS, ah, le mur, il n'y a plus de mur. Regarde le mur derrière. And now I need to speak English, but if you watch that, I do have my little way for that. You can put whatever image you want, as long as you update it. But là, you can put whatever there. And that's funny. That's cute. And you can put pretty much all website you want. But là, you can put your Twitter if you want, I guess. And you can interact with Twitter from your OBS. And that's fine. That's funny. But là, that's why I'm looking for fun things to put there. Oh, wrong button. Le pat-pat d'Amaryllis, il est mignon aussi. Hein. Le pat-pat d'Amaryllis, il est très mignon. Hein. C'est très validé aussi, le pat-pat d'Amaryllis. Hein. D'ailleurs, Amaryllis. C'est quand que tu fais un Discord à toi, même si tu invites que moi,
C'est pas grave. Mais tu fais un Discord à toi où tu autorises tu actives le truc pour qu'on récupère les emotes de Twitch. Et comme ça, moi, après, quand je sub chez toi, j'ai accès au pat-pat renard sur tous les serveurs Discord où je suis. Même s'il n'y a que nous deux, c'est pas grave. Hein. Comme ça, moi, je peux les faire. Il est déjà créé, juste pas terminé. Pourquoi j'ai pas d'invite dans mes DM en fait? Devine. Parce qu'elle me déteste, c'est ça. Love guest. Alors, le gros avantage, le chat, de ce Refinite Storage comparé à Applied, c'est qu'il n'y a pas de type. Ce qui veut dire que c'est juste un nombre d'items. Donc là, avec une 4K, je peux stocker 4000 items. Il n'y a pas de type. C'est 4000 items. Et oui, le chat. Refined. Alors maintenant, la vraie question, c'est comment fonctionne le craft de ce mode? Et j'ai envie de tester tout de suite avec un crafter. La 4K se remplit vite. Bah parce qu'on vient de vider un coffre dedans. Forcément, ça se remplit vite. Forcément. Qui manquait, j'ai pas suivi. Demain avec une 16K, j'ai déjà rempli 6K. Après, je suis sûr que t'as mis plein de merde dedans. Ah, j'ai pas mis les costumes. Mais déjà, rien que comme ça, on gagne tellement de temps. Le temps. Ah, j'ai plus de diamants officiels. J'ai plus de diamants officiels. Ah, tu rebonds là-dedans non plus. Si j'en ai un. Alors, comment marche le crafter? Le crafter marchera pas si j'ai pas de câble déjà. J'ai un câble. Alors, maintenant je suis très curieux de savoir comment ça marche. Ah bah j'ai pas besoin de câble en fait, je peux juste poser là-dessus. C'est bien, Carrie. Alors, celui-ci est un crafter. Comment est-ce qu'il fonctionne? Ah! Ok. Donc, il faut mettre quelque chose dedans. Mais quoi? Quoi donc? Que faut-il mettre dedans? Attendez. Un pattern. Ah. Et comment s'appelle le pattern? Ah là, pattern. Pattern grid. Et du coup, il faut une pattern grid pour faire le pattern? Donc pour ça, il faut une grid. C'est officiel, j'ai plus de diamants. Je suis pauvre, j'ai plus de ressources, faut que j'aille miner.
Papaya. Palapa, papaya. C'est la faute à Marie, si j'ai papaya en tête, vous ne pouvez pas vous plaindre. J'accepterai aucune plainte parce que c'est la faute d'Amaryllis si j'ai papaya en tête. Vous savez que j'espère être invité au mariage IRL d'Amaryllis. Comme ça, le jour où elle se marie, à la sortie de la cathédrale ou de la mairie, enfin de l'église ou de la mairie, je prendrai des enceintes que j'aurai achetées pour l'occasion et je mettrai papaya. Ou alors mieux que ça, je fais pote-pote avec le mari et je fais en sorte que au moment où elle descend de la voiture, qu'elle s'approche de la porte de l'église ou de la mairie, dans sa magnifique robe et tout, trop bien, la voiture en repartant, une fois qu'Amarie s'est descendue, elle nous lâche son meilleur papaya. Porte ouverte, grosse enceinte, papaya. Genre insane move. Et prévenu tous les invités avant en mode, c'est une musique qui lui tient à cœur. Elle la connaît depuis des années. Je pense vraiment que ça va la toucher et que ça va être insane. Qu'est-ce que t'en penses, Marylis? Tu m'invites à ton mariage, du coup? Si elle me dit non, j'ai un contre-argument. Faut pas s'étonner si elle te ghost. Mais attendez! C'est elle qui m'envoie des papayas sur Discord! Ça va être ma faute bientôt? Comment ça, ça va être ma faute bientôt? C'est la première à envoyer des papayas sur Discord? En message secret, sur... sur le channel FF14 en mode open for a surprise. Et si papa y a derrière, et bientôt ça va être ma faute. Bah super. Super. Oh, du lapis. Très important lapis sur ce serveur où on peut... Bah j'ai envie d'écouter papaya maintenant. Attendez, non. Oh, dites-moi que non. Oh, je vous en supplie, non. Ça m'étonnerait. Je pense qu'il y a 0% de chance que ce soit possible. Je pense qu'il y a 0%. Vraiment. Mais s'il y a ne serait-ce que 1% de chance, je pense qu'il y a 0. Il y a 0, je pense, mais... Mais je vais quand même tenter. Attendez.
Amaryllis, c'est dans le chat ou pas? Faut absolument que tu sois dans le chat. Amaryllis, il faut absolument que tu sois là. Je peux pas vous le montrer tant que j'ai pas l'info. Je ne peux pas vous le montrer tant que j'ai pas l'info. Mais c'est terrible. Si elle est pas là, tant pis. Il faudra attendre. Elle est là. Très bien, je vous montre. Je sais pas ce que je fais de ma vie. Attendez avant de le faire, sinon je joue Ban Life. Il faut que je les configure. Ah, je peux pas régler la durée. Parce que le problème, c'est que j'ai peur qu'il soit trop long. Et qu'on se fasse copy strike pour la musique. Alors attendez, il faut que je les teste moi, ok? Ok, c'est juste ça. Ok, ça va. Si c'est juste ça, le lahi, ça va. Et le papaya? Yikes. Le papaya est long. Il va falloir réduire le papaya. Par contre, le papaya, c'est hors de question qu'il soit gratos. Et le lahi, on peut le laisser comme ça. Et du coup, là, le papaya, ça fait quoi? C'est toute la musique? Mais attendez, c'est toute la musique? C'est bon les bros, c'est toute la musique. C'est absolument toute la musique. Restons zen, je vous en prie. Au secours. Alors, je voudrais pas me faire copy strike. Je pense pas que je puisse me faire copy strike pour ça, mais quand même. Mais alors, pourquoi ça s'arrêtait avant? Ça s'arrête pas en fait le papaya, je crois. C'est le lahi qui s'arrête. Ou alors, le truc c'est que je sais pas si je peux upload moi-même un son.
Puis-je uploader moi-même un son? C'est ça le truc. Mais je crois pas. Ou pas comme ça. Ce qui est très embêtant. Donc malheureusement, je crois pas pouvoir vous ajouter un papaya plus court. Et si je vais sur le dashboard et que je me login, vas-y, 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 prends mon compte Twitch. Enfin, gérer les récompenses, ok. Il a le droit de. Ok. Alors vas-y, est-ce que je peux en ajouter un moi-même mieux? Sounds. Donc ça c'est ok, c'est du machin. Volume, beat, subscriber only, play alert. Papaya. Play in OBS source. Everyone can play this. Ouais, ok. Mais le truc, c'est que je peux pas la. Settings, cooldown, master, volume, channel. Let viewers sound alert with their channel points. C'est hors de question. Sounds. Librairie. Ah, upload sound. Le chat, on peut upload notre son. Donc on va faire notre papaya à nous. Attendez, faisons notre propre papaya. Nous allons faire notre propre papaya. Beaucoup plus court. Alors. Ça tombe bien, je sais exactement le trouver. Amaryllis l'a posté juste avant sur Discord. Hein? Amaryllis! Merci beaucoup pour le live, mais j'allais record le son du papaya. Quel enfer. Merci beaucoup le Alice pour le live. Attendez, hop. Attendez, faut recommencer. Voilà, parfait, là ça va être inside, regardez. Parfait. Donc maintenant qu'on l'a, on fait upload sound. Papaya FFXIV. Mood. Funny. Party. Funny. Choose file. Ah mais attendez, il va falloir que je la convertisse MP4 to MP3. Trop court le papaya. Vous voulez deux boucles du papaya? D'accord. C'est d'accord. C'est d'accord. Parfait. C'est bon là. Laissez-moi tranquille. Voilà. Ensuite, on va dans tournage. On récupère ça. Convert to MP3. Onegaishimasu. Tout va bien le chat. Nous sommes en train de. Oh, c'est parfait. Non, non, vraiment, vraiment, ça suffira. Papaya. On va le mettre dans bazar emote papaya. Parfait. Ensuite. Bureau. Non. Taf, bazar, emote, papaya. Parfait. Upload sound file. Voilà. Donc maintenant, je vais dans mon dashboard. Non, pas là. Je vais dans ma librairie. Non, je vais dans mes sounds. Voilà. Je retire le papaya actuel. J'ajoute Papaya FF14, Add this sound, pour un montant de 100 bits. Et dans Sounds, Papaya est là. Donc maintenant, si nous allons sous le stream, j'ai envie de crever. On va monter le son un petit peu. Parce qu'avec l'autre musique, on l'entendra pas, sinon.
Donc voilà, monter un petit peu. Ah, comment ça, Papaya est déjà à 100%? C'est pas beaucoup? C'est assez fort ou pas? Vous trouvez pas assez fort? Je pense que c'est pas assez fort. Attends, on va le retester. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est assez fort ou c'est pas assez fort? Là, on n'entend rien. Oh! Oh! Ce qui est un problème. Alors, comment je vais faire? Alors, je suis censé avoir un logiciel de montage sur mon PC. Et j'ai plus aucune idée d'où il est et comment il s'appelle. Mais tout va bien. Faudrait le record plus fort, c'est vrai. Mais. On n'a pas un logiciel de montage de base sur notre PC? Genre Movie Maker, on l'a plus ce truc-là? On l'a plus. Tapes, hein. Attendez, je suis en train de faire ça pour vous. C'est quali, hein. À part Audacity. On a Audacity? Non, on n'a pas Audacity sur notre PC. Flemme de télécharger Opacity, sachant que j'en ai un, il faut juste que je me souvienne de qu'est-ce que j'ai sur mon PC. Trier par taille. Ah, c'est DaVinci Resolve. Non, c'est pas DaVinci. Si, c'est DaVinci? Non, c'est pas DaVinci. Jamais c'est Da Vinci. Si c'est Da Vinci. Da Vinci Resolve Project Server, ça n'a rien à voir, ça aussi. Puis c'est Da Vinci, je crois. Au pire, je le fais même. Oh, j'avoue! Oh Furis, attends, je te DM le. Oh oui, vas-y. Oh oui, fais-le pour moi. Oh ouais. Oh oui. Oh vas-y, comme ça on peut miner tranquille. Attends, Furis. Oh viens là. Viens là. Pouette. Tiens, prends ça. Oh ouais. Oh comme ça, j'ai rien à faire. Oh oui. Papaya, papaya. Live, faisons de la musique. Si seulement j'avais du talent. Pas du talent, non. Si seulement j'étais créatif. Que je le suis pas, donc faire de la musique, moi. Ah ouais, c'est bon, on laisse notre ami Furis faire, c'est parfait. Par contre, le lahi, il marche bien, je crois. Je crois que le lahi, on est bon, le lahi, hein. Ouais, je pense que le lahi, on est bon, ouais. Je pense que là, il en est bon. Comment ça, c'est qui n'enchaîne? J'espère que vous allez bien. Pas si j'aurai le temps ce soir, si ça finit à 23h. Non, non, mais t'inquiète pas, on va finir un peu plus tard. On va continuer le stream, je suis chaud. Marilys, après le stream, est-ce que je te réserve du temps pour la... Pas que j'ai grand-chose à faire, hein, mais... Pour la session de coach pour ton OBS ou t'as la flemme? Et sinon du diamant dans ce pays, je suis un peu trop bas là. Un peu trop haut, pardon. Là on est bien. Et le problème c'est qu'avec ce mode de minage, c'est pas facile de rester à la même hauteur. Et ça consomme en bouffe, hein.
J'ai pas vu qu'il y avait Laito en vocal. Il s'est encore pointé il y a 10 minutes. Vocal. Mais sinon, du diamant. Genre, qu'est-ce que je vous ai fait pour pas looter de diamant comme ça? Qu'est-ce qu'en tant qu'être humain, je vous ai fait? Vous méritez ça. C'est imbuvable. On est où là? On se croirait sur Wadentail quand j'invoque rien 100 fois de suite dans mon gacha. Non mais c'est un running gag. C'est juste que je mine comme surface et j'ai... zéro. Oh, ça par contre je prends. Ça le Stellar Calum je prends. Alors ça fait kaboom quand on le prend mais... I'll take it. Par contre... on arrive à un stade où... J'ai plus de chances d'avoir une Japan Expo en 2020 que de trouver du diamant, quoi. Pourtant, un Japan Expo en 2020, c'est mal barré. Hein. Aïe. Et pourtant, la Japan Expo en 2020, c'est pas gagné. Hein. Surtout 2021, pardon. C'est bon, vous m'avez compris. Vous m'avez compris, c'est bon. Arrêtez de me bully. Oh, alors ça, c'était pas loin. Ça, c'était pas loin, ça. Ça non plus. Vous savez, ce qui est bien avec... moi, je pense que ma chaîne Twitch est un bon endroit. Parce que... nous ne paniquons jamais. Qui fait de cette chaîne un endroit très zen. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà vu BXAKid paniquer? Je pense pas. Oui. Je pense que tu mens. Ah, du diamant, enfin! Tout ça pour 3 diamants de 5. Oui, à cause du quack. Mais jamais un quack m'a fait paniquer. De toute façon, il n'y a aucun son qui m'a jamais fait paniquer. J'ai déjà hurlé comme une crécelle devant un son du soundboard. Press X to dopt. On est où? Allô?
une faille sous l'eau. Bah très bien. C'est pas la merde. Je vais me noyer. Toi, rien. C'est pas du tout la merde ici. C'est pas... Hein? Hein? Qu'est-ce que... Ah! Ah! Oh, du diamant. Pour l'atteindre, il suffira de traverser ce lac de lave, ce spawner, cette cave sombre. What could go wrong? C'est des araignées de mort en plus. What could go wrong, le chat? Je préfère avoir des chances qu'elle m'atteigne. Pendant 2 secondes, j'ai vu une tête de Steve. C'est nul. C'est claqué. Je déteste ça. D'où t'as spawn toi par contre? Genre c'est honteux. Attendez, je me concentre, il y a du diamant. Un filon de 8. J'en avais 5, c'est un filon de 5. C'est honteux. Mais c'est bon, je suis revenu. Si t'as tenté de me faire dire le N-word, c'est raté. By the way. Je dis ça parce que... Je me doutais qu'il y avait... Tentative de nous montrer que ton QI était inférieur à la moyenne. Je préchote. Trop fort? Non, je suis pas trop fort, c'est toi qui es trop con. C'est tout. T'inquiète. A fait, nous aurons une nouvelle son. J'ai envie de mourir. J'ai globalement envie de crever. J'étais prêt si jamais elle allait dire nimp. Dommage pour toi. Comme disent les jeunes, get good. Ah, on vient de m'offrir un sub sur la chaîne de ma collègue. Attendez, le Yamete, c'est moi qui l'upload? Yamete! Apparemment, oui. Apparemment, il est marqué comme upload par BXAKID. Il a été joué 22 fois, mais il n'a pas été joué 22 fois chez moi. C'est-à-dire qu'il a été... Il a été... Hein?
Ah non? Non, il est pas. Non, c'était buggé, c'est pas de moi. Si, c'est de moi. Quoi? C'est moi qui upload le YAMT? Apparemment. Je m'en souvenais pas. Et du coup, j'avais jamais eu besoin de. J'avais jamais eu besoin de le faire moi-même. En fait, je suis un bouffe. Enfin, j'avais pas besoin d'aller sur le site. Enfin, pas... Voilà. Et donc là, maintenant, je peux le mettre. Voilà. Je peux aller dans Papaya FF14, Advis Sounds pour 100 bits. Et donc là, normalement, si je fais Papaya FF14. J'ai envie de crever. Parfait. J'ai envie de mourir. Merci Furies. J'ai envie de mourir. Pourquoi l'avoir rajouté si tu détestes tant? C'est pour faire plaisir à la commu. C'est pour faire plaisir à la commu. Par contre, j'ai augmenté à 200 bits, faut pas déconner. C'était un oubli. C'était un oubli, ça. Pourquoi c'est claqué Twitch? Hein? Mais comment c'est possible que t'aies ça sous le stream, Furis? C'est bugué? Furis, ton Twitch, il est bugué? Merci, Mister Guy, pour les... Mister Guy, Mister Clip, je sais plus. Merci, je sais plus. Merci beaucoup. Je sais pas, ça fait plusieurs fois que ça me le fait. Aïe. Ah, merci pour le papaya. Enfin, merci. Merci pour le papaya. Merci pour les bits, par contre. Le papaya, c'est pas sûr. Ouais. Le papaya, c'est en délibération. Ah, c'est ça. Merci pour l'argent. Le papaya, c'est pas sûr, mais pour l'argent. Ça, oui. Et d'ailleurs, en parlant d'argent, n'oubliez pas que nous sommes en train d'essayer de financer le nouveau casque. Et donc, si vous souhaitez aider. N'hésitez pas à le faire via que ce soit les subs ou gift sub ou les bits. Je vais faire le gros son tout à l'heure. C'est-à-dire. Non, non, non. Non, vraiment pas. On va me couper 2,74 couilles. On ne comprend pas ce bug avec les abeilles. C'est bizarre. On est dans un truc d'Eidolon. Une cave d'Eidolon. Quoi? Que je disais me couper les couilles, c'est Lighto. Pas bon. Moi, pour l'instant, ça va. J'apprécie mes testicules. Les garder me tentent bien.
contenu. C'est claqué au sol. Au revoir. Non, je me tire. Enfin, c'est pas clair. Bon, j'espère que Yoshipi ne nous trahira pas pour le papaya. On est descendu trop bas pour remonter. Mais c'est beaucoup. Je rappelle qu'on a besoin de diamants parce que c'est la dèche. On est pauvre en diamants. Peut-être plus besoin de diamants en fait. En fait, j'ai assez de diamants, je pense. Peut-être pas. Le retour du diamant. T'inquiète, Furis. TKT. Vous savez. Je suis un mec difficile, moi. Ah, on a plus de torches. C'est la fin. Ouais, mais papaya. Ouais, mais Spard. Il faut voir ça comme marketing. J'en parlais tout à l'heure sur Discord, mais marketingment parlant, un des meilleurs trucs qui est faisable sur un stream, c'est le sub gift. Parce qu'il y a des gens qui se font sub, qui vont peut-être repasser sur la chaîne et qui vont peut-être se dire ah trop bien, et qui vont de 1 compter comme un nouveau viewer peut-être, et en plus de ça, peut-être se resub derrière. Donc, le sub-gift est le meilleur élément marketing ever. C'est bien. Moi, j'aime bien. Je préfère ça. Je préfère ça. Je préfère pas. C'est juste. Mais les deux sont très très bien. C'est juste que j'expliquais ça tout à l'heure aussi. À Silux, quand je parlais avec lui, mais... Les bits, c'est le moyen rigolo... de vous auto-remercier. C'est-à-dire que vous me terrifiez, ou alors vous me mettez une musique de mort en tête, et vous avez aidé la chaîne. C'est deux façons très différentes. Il y en a un, vous l'aidez marketingement, et l'autre, vous l'aidez... vous vous aidez et vous m'aidez. C'est différent. Bon, j'ai 34 diamants. Au final, ça va. Je continue parce qu'il y a de la lumière grâce à la lave. Par contre, on est trop bas, là. Et il n'y a plus de lave. Donc on va arrêter le minage ici, je crois. Je crois qu'il est l'heure de remonter. Remote Gateway, c'est quoi ça? Oh. Oh, la lumière. Allez, on met encore 4 coups de pioche et on rentre. 1. 2. 3. 4. On rentre. Je veux juste... C'est la même structure? Non.
C'est un donjon, on peut aller jeter un oeil. Il y a un bouffe de skull qui active la TNT. Du coup, j'ai de l'armure toughness grâce au bag. Bulls. Tout va bien, chat. Moi, j'ai jamais douté. Avez-vous déjà douté de moi, le chat? Faut pas. Par contre, j'ai vraiment l'impression que cette bouffe, c'est de la merde. Hein. Alors que pourtant, elle est bien, hein. Les quêtes tribales, oui, c'est très long. Quêtes tribales, c'est extrêmement long et chiant. Ça dépend lesquels, il y en a des plus longs que d'autres, mais... Très long. Il a regardé dans le mur! Rentrons, chat. Ah, putain, qu'est-ce qu'on est bien quand on est chez soi. On dort bien. C'est quoi ça, c'est humain là déjà? Ah oui, Escape the Island. Ah, Laito, tu seras ravi d'apprendre que... Attends, je vais aller avec Laito, ok. Salut Laito-kun, tu vas bien? Salut. Tu seras ravi d'apprendre que Must est level 72. Ah, déjà. Ça bosse? Bon, c'est normal que tu te nourris avec quoi, toi, dans Minecraft, hein? Des salades de fruits. Avec la fameuse pumpkin là? Non, j'utilise des pêches et tout ça que j'ai à côté et avec un truc de comme ça. Parce qu'il se fait faim ici. Il me reste des smoothies. Après, vous savez qu'il y a toujours du caramel, le chat. Caramel extrêmement efficient. Comme vous pouvez le voir ici. Extrêmement efficient, le caramel. Et donc, tu m'as dit la fruit de salade, toi? Ouais. Alors que le fruit de la grisaille, le chat. Eh, mais ça n'a pas de saturation, quasi. Ah, si. Il écrit 1. Non, c'est 11. C'est un peu bugged. Ah oui, c'est toi, il doit rester un peu bugué. Et donc c'est n'importe quoi et un chop chop. C'est quoi ce bruit? Il y a des bruits chauds dans ton village. Ouais, c'est des rats, ils font du bruit ici. T'as des rats? Il y a un rat qui fait que le gueule qui bouge pas et j'ai la flemme de l'enlever. Ah.
Je suis dératisateur en ce moment. L'exécute sa mère. Où est-ce que tu penses que je pourrais trouver une graine de melon? J'ai du melon si tu veux. T'as du melon? Ouais. Je viens te piquer du melon. Faut juste que je le retrouve. Oh. J'ai pas vu, mais t'as même un donjon à côté de chez toi. Ouais, j'ai exploré jusqu'à la fin. C'est de la shit. C'est du shit. Activateur de power. T'as pas mis l'automode on? Ah si. Mais plus. Qu'est-ce qu'il a mangé? Bah la pastèque. Oh merde. T'as pris le quoi avec? Merci. T'as pas pris trop cher? De quoi? Ah non, c'est bon, t'inquiète. Ah, t'as fait la centrifuge électrique, ça y est. Oui. Et du coup, tes abeilles, c'est chiant? Ça marche. Ça marche pas, du tout. Et si tu checkais les gros. Parce qu'il y a des multi-blocs, je crois, qui existent. Ouais, non, mais pas de truc qui marche. Parce que je comprends pas, c'est que ça marche des fois. Enfin, genre là, en gros, les abeilles marchaient devant chez moi, dans ma maison. Mm-hmm. Et là, je les ai mis ailleurs et ça marche plus. Je sais pas trop. Et j'ai même essayé dans Créa de les poser avec des œufs, de mettre la fleur à côté, et ils voulaient même pas rentrer. Enfin, genre, en gros, le problème, c'est qu'ils rentrent jamais dans les bioses. Ah ouais? Genre, même quand il pleuvait de nuit, ils voulaient pas rentrer. Donc, je sais pas. Peut-être de meilleurs bee house? Bah, ça marchait même avec ces contrôles dans la nature que j'avais laissé. Hein, donc... Ah, mais pour les forcer à rentrer, il y a peut-être un truc? Bah, non, ça. J'ai même essayé de faire un bébé, une bébé abeille dans la. Enfin, à côté du bee house, elle n'est jamais rentrée, même en grandissant. Donc. Et si tu checkais, comme je te disais, le fameux les beehives en structure, les multiblocs. Le truc, c'est que ça coûte beaucoup trop cher. Mais en créa. Ah oui, en créa, je peux tester. Mais c'est ça, c'est pas rentable de faire des abeilles. Ça demande des Nether Stars. Et d'avoir des abeilles qui produisent déjà. Ah oui. Mais t'as réussi à produire avec tes abeilles un petit peu. Oui, mais c'est en plaçant la biaouse devant ma maison, et si je la place ailleurs et que je déplace les abeilles, elles ne rentrent plus. Écoute, faudrait de nouvelles abeilles. Absolument pas clair. De quoi ? Faudrait peut-être reset les abeilles avec d'autres abeilles. T'as même essayé en les resetant avec ta bouteille qui était... T'as essayé de reset avec la bouteille et j'ai tout pas, aussi mais... J'ai pas essayé de faire grand chose avec. Moi. Parce que ça se trouve, c'est pareil, il y a peut-être un univers où, pour que ça fonctionne, ça, il faut... J'ai testé des trucs avec une maison, truc, non mm-hmm. Je l'ai pris, je l'ai déplacé, j'ai mis une nouvelle apiarie loin avec une fleur devant, il a réussi à le butiner. Je l'ai remis devant la maison, ça marchait, je l'ai redéplacé, ça marchait plus, je l'ai remis devant la maison, ça remarchait. Ah ouais. C'est pas clair du tout, j'arrive pas à comprendre ce qu'il vient de dire. Savoir que les trous dans les bee house soient à l'air libre pour que les abeilles puissent rentrer et sortir. Mais il y a un cube d'air de chaque côté. Au moins. Il a essayé de les enfumer avec le bee smoker du mod. Bah c'est... Que en les... Enfin c'est sûr si c'est que pour récolter le miel ou les honeycombs. Ah, peut-être qu'ils rentrent dans les trucs, si elles se sont gazées. Je sais plus. Je crois que j'avais déjà testé un truc de gazé, mais enfin de gazer un bloc. Je sais plus si c'est sur celle-là ou pas. Je ne sais. Et le chat, vous me rappellerez 30 secondes d'aller chercher le melon, pardon. Donc, maintenant, nous, on était à la base pour faire un pattern.
Ok. On va faire de l'iron, le jeu, on a plus d'iron. Par du traité, on a masse iron pas traité. Notamment 330. Okay. Ça feels good quand même d'avoir un applied, hein. Enfin, un FNN. Ah, on aura besoin d'iron tout de suite. Du coup. Salut Fabi. Bonsoir à toi, bienvenue. On va. Alors. On n'avait pas gratté d'avance ce truc. C'est dans ma tête. Sûrement. Donc c'est accès. C'est quoi dans ce coin? C'est des câbles. J'ai 14 câbles en RAM. Hop. Enfin, 4 câbles. J'ai gagné 4 câbles. Let's go. Ok. Ça, on va les cuire. Ça. On va... Ah oui, ça faut le cuire aussi du coup. En vrai, c'est beaucoup plus facile hein, de faire ça via... Via Refined. Le truc, c'est que je me demande par exemple, comment est-ce que tu fais pour les fameux trucs avec les export bus et les patterns machin et tout, comme tu le mettrais dans un export bus, enfin dans une MM interface par exemple, sur un... Sur un four, par exemple, pour les crafts dans les fours, par exemple. C'est ça que je me demande. Bonne nuit, Ford, bisous. Je me demande comment ça marche. Alors. Pattern creation. Alors. Processing. Oh, exact. Oh, exact, ça veut peut-être dire que si c'est pas le même bois, ça marche. Ou des trucs comme ça, avec des trucs relous, les batteries pas pleines et tout. Seriez en train de me dire que c'est déjà meilleur qu'Applied. Ouais. Et au moins, le mode processing, c'est clair quand tu l'as activé ou pas activé. C'est plus simple que sur Applied aussi, je trouve, visuellement. Tu sais tout de suite dans lequel des deux t'es, quoi. J'aime bien. I like it. I like it very much. Alors, imaginons. On lui dit, tu prends... c'est pas moi. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire faire? Dans un premier temps. Prends des bûches, tu fais du bois? Ça me paraît un bon truc. Voilà, non, on peut lui prendre un craft de trucs pour la suite. Bah, le craft du pattern, par exemple. Au final. Craft du pattern. Mais c'est pas là-dedans que je vais le faire. Après, protix. Nous avons un pattern qui demande de créer des patterns. Je mets donc ça dans le crafter. Je vais là-dedans. Craft du pattern, je lui dis l'interface. Ah, je le connais cette interface par contre. Alors celle-là, je la connais, ça c'est honteux. Incroyable. Celle-là, elle me dit quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais elle me rappelle quelque chose de l'interface. Start. Étrange. Ah ça aussi. Celle-là aussi. Celle-là aussi me rappelle quelque chose. On a pas de verre? On a 42 de verre. Parce que j'ai enregistré le craft avec de la dark glass. Et je l'ai mis en exact. C'était my bad. Donc on enlève là. On remet ça là-dedans. On enlève le exact.
On met dedans. Et est-ce que là, il va bien vouloir? Oui. Nice. Let's go. Alors maintenant, on veut prendre ça. Et on veut imaginer... Imaginons on veut faire du sable into du verre. Ça passe donc par, évidemment, un point. Donc il me faut du sable. J'ai du sable. Oh, sinon, je ne crois pas. Bah, il fait net, c'est un peu plat, donc... Attendez, je vais m'en dire. C'est vrai qu'il est déjà cette heure-là. Quoi ? Pour passer une vitesse. Bien, BX, t'as pas du tout, BX, galéré 3 heures sur à jongler entre deux blocs. Très bien. Tu aimes de marcher. Alors. Maintenant, la question, c'est comment, avec Refined, je lui dis bonjour, il faut que tu fasses ça. Importeur, external storage, constructeur, déconstructeur. C'est quoi constructeur et déconstructeur? De toute façon, je vois que ça comme bloc qui pourrait être faisable. Non? Ah, sinon, il y a les interfaces. Mais elles sont que en format bloc, je crois. Elles sont peut-être que en format bloc. Ce qui est... Ok. Alors, on a juste besoin de crafter une interface. Du coup. Faisons ça. Elle est où? J'ai déjà perdu. Alors, importeur. Ah. Et l'exporteur, c'est pareil. Non, c'est pas les mêmes, évidemment. C'est trop facile. Ça me trigger les panneaux. Je n'ai pas dit le mettre. Ah. J'ai vu ma ficelle. Le boudon. Et ça fait un beau bizarre. C'est vrai que j'ai un backpack et j'ai des trucs dans mon backpack. Je vais zapper que j'ai un backpack. Ouais. Alors les abeilles, ça donne quoi de ton côté? Elles rentrent dans les beehives de Minecraft Vanilla. Sauf que dans celle-là, elles produisent pas de honeycomb modé. Oh. Et dans les grosses, t'as essayé les structures, du coup? J'ai pas encore essayé les gros, je regarde juste autre chose en ce moment. Ok, bien. On va tester. PVT en créa, ça va être bien. Bah bien sûr, c'est pour ça qu'on est map de test. C'est juste que là, c'est pas des trucs très chers, donc on peut les essayer comme ça. Salut, un crafter au cul du four. Quoi? Genre vraiment? Genre c'est con à ce point-là, ce mode? Ce serait incroyable, hein, qu'on se met bien d'accord. Attendez, faut absolument qu'on teste ça. Du coup, on va récupérer celui-là, on va enlever le pattern temporairement. Très heureux. On va récupérer ce four. Et du coup, il faut lui exporter du charbon dedans constamment. On va lui dire ça. Alors, attendez. Poser notre four là. Alors, je sais pas si il faut bien l'orienter, on va voir ça tout de suite. Pattern. On va tout de suite voir un petit peu, on va essayer de découvrir ça comment ça marche. Processing. 1, 2. Non mais pas. 1. Oh. Tu peux même lui dire des alternatives. Tu ne sais ça. Mais non mais pas 39 de glace, je t'en supplie. Ok. Il faut capturer les bees avec des empty bees, puis les mettre dans la bonne ruche, et ensuite il récupère les pommes avec le scrap. Comment je lui dis la bonne ruche? Bah j'imagine que tu la mets dedans avec ta bouteille. Bah je peux pas faire un sifflin clic droit ou un sifflin clic droit, elle sort devant en fait. Il y a pas d'interface. Donc... ATM ça marche pas. Je... ATM il détecte pas du tout le chest. Dans quel pattern du verre dedans? Alors. I think you told me bullshit.
Dans le sens, la face du petit carré doit être contre le four. Ah. C'est lui qui est dans le mauvais sens. Oh merde. Oh la vitesse à laquelle j'ai pété ça. Très efficace. Il faut mettre ça, t'es. Ah mais du coup il se pose dans le mauvais sens. Alors attendez. Si ça rentre pas, c'est que là, c'est pas la ruche adaptée. Pas la ruche adaptée. Ok, j'ai testé les 4 tirs de ruche. Ah mais c'est parce que, attendez, c'est parce qu'en fait il y avait du vert depuis le début dedans. Putain, il veut pas. C'est parce qu'il y avait du vert depuis le début dedans. Ah c'est une T3 pour les Poisoners du coup. Il signe un seul. Ok. On peut le mettre en... Ah oui, only craftables. Normal. No craftables. Only craftables. Normal. Ok. THX, du coup pour les indications. Et alors la question c'est... Ah putain, le cancel, j'ai cancel parce que de base le bouton est du mauvais côté, ok. C'est Foxy. Le bouton cancel est tout pile là où d'habitude t'appuies sur valider. Alors cependant ça fonctionne pas. Il injecte pas tout seul. Ah merci beaucoup Foxy, c'est un bon mec. Yes. Tu l'as eu? Putain, tu l'as eu avant moi, insane. Putain, pour une fois que la modération est plus rapide que moi. J'essaye des trucs. Fais des efforts. Ah, alors le chat. Looks like it's not working. Est-ce que c'est parce qu'il a pas de carbus de combustible? Si c'est comme un four, l'entrée est en haut. Ça a consommé un day. Non, c'est parce que j'en ai mis que 63 dedans. C'est comme un four, l'entrée en haut. Faut vraiment mettre ça sur le haut là. Et en plus, je peux pas le poser correctement parce que c'est un peu de la merde. Attends. Mais c'est du sable qui s'est soumis à la gravité. Je t'en prie. Vous savez ce qui manque dans Minecraft modé? Un mode qui fait que vous pouvez pas faire de clic droit. Enfin, vous pouvez pas ouvrir de machine quand vous faites clic droit. T'appuies sur une touche, t'es en mode lock et ça fait plus de clic droit. Comme ça, tu peux poser les blocs sur les machines sans avoir besoin d'être en sneak. Ça n'arrivera jamais. Ça ne sera jamais fait. C'est impossible. Mais putain, ce que j'en rêve. C'est où mes câbles du mod? J'avais des câbles de ce mode-là. Je les ai foutus où? Oh là, ils sont là. Je les aurais utilisés en Minecraft? I'd be surprised. Ah là, putain, Aveugleman. Ah! Alors ça fonctionne. Problème is, vu que c'est un four vanilla, c'est de la merde. Enfin, c'est un four vanilla, c'est de la merde. Et du coup, il peut pas export. Et du coup, j'imagine que le craft n'a jamais été compté comme terminé, du coup. Parce que. Là, je peux pas le voir. Ici, je peux pas le voir, mais. Parce que j'ai pas ce qu'il faut. Mais du coup, ça ne le compte pas comme terminé, évidemment. Ok. Bon, alors, du coup, on sait que ça fonctionne. Et c'est nice. Maintenant, il va falloir setup ça bien et il faudra un four modé où on peut mettre input et output sur la même face.
sera beaucoup plus simple. En attendant, on peut leur mettre des patterns déjà, et ça fonctionne. Donc on a déjà de l'autocrafting, le chat. Alors? Alors du coup... Okay. Et là, ça va bien, Isaac. Incroyable. Et tu sais quoi, d'ailleurs? Le Refine de mon époque ressemblait pas autant à eux, mais du coup, il y a quoi comme défaut à utiliser Refine plutôt qu'à eux? Bah, j'ai l'impression que pour l'instant, pas grand-chose. Mais il n'y a pas d'interface tube, j'ai l'impression. Il n'y a que en bloc. Faut sans doute faire le même gruge qu'à eux avec un câble qui retourne dans l'interface. Il n'y a pas besoin d'interface, là, du coup, en fait, Furis. Tu mets juste le crafter au cul de la machine et tu lui dis que l'output est dans l'input, j'imagine. J'imagine qu'il en a absolument rien à carrer. Maria Carré, même. Elle était drôle, celle-là, non? Elle était drôle, celle-là, non? Quoi, oomph? Ça veut dire quoi, ce oomph? Bof, non. Ah, merde. Super, les gars, vous êtes des super potes, mais sérieux? Alors, du coup, j'aimerais... On va aller essayer rapidement en créa. On va aller voir comment se comporte... Comment se comporte la machine. Vous savez ce qui m'attend après le stream? Un quart de baguette avec un petit carré. C'est un fromage que j'aime beaucoup. Ça va être délicieux. Elle est drôle, mais seulement parce qu'il est tard. Et je pars, je suis sûr que tu aurais rigolé même à 14h. Arrête. Par contre, t'as été smooth, 5 points pour l'exécution. Let's go. Let's go. T'as Chouka qui a son message de profil sur Discord, c'est dinosaure. Je crois que Chouka aime bien les dinosaures. Merci d'être si nombreux et nombreux, en tout cas, ça fait plaisir. Bienvenue à vous. Et Marilyn, ça met des photos, il y a plein de neige. Je vais danser dès maintenant. Salut Arf, comment tu vas? Comment va le Québec? Ça ne marche plus. Pourquoi ça ne marche plus? Bah, j'ai voulu... Du coup, j'ai tué toutes les abeilles et j'ai remis des nouveaux beehives et ça ne marche pas. Ah! Même en les remettant en sneak, plus droit devant la large. Ah! Qu'est-ce que t'as fait encore? T'as tout pété. Le truc, c'est que tout à l'heure, ça marchait, mais que sur une, sur quatre. Oh! C'est pas clair, ton histoire. Non. Il y a eu une tempête au Québec, mon dieu. Ah, embêtant. Bah surtout qu'une tempête au Québec, à mon avis, la neige, ça doit être autre chose que les Parisiens qui chialent parce qu'il y a 2 cm. Oui. Paris en sang et... à feu et à sang quand il y a 2 mm de neige. Le Québec, ils sont sous 6 mètres. Wow, vous savez. Bon, ça va, ça va mieux. Paya. Voilà. Plus de 30 cm. Oh putain. En effet. Ça commence à faire. Ah oui, attendez, c'est quoi? Tout à l'heure, je me suis rappelé du truc de sub, le chat, et j'ai instant oublié. Tout à l'heure, je m'en suis rappelé des trucs que je voulais vous mettre à 140. Ah, c'était la course de cactus, enfin la course de canne à sucre. Oui, la course de canne à sucre. La course de canne à sucre. La prochaine fois que je vous demande, le chat, qu'est-ce que j'ai oublié pour les 140 subs, c'est la course de canne à sucre. Et en plus, je pense qu'il vaut mieux utiliser Refinet que Applied parce que Applied ils ont changé les graphiques et maintenant c'est moche.
Je pense que Refined est définitivement mieux. Hein. Maintenant. Rip Applied. On t'aimait. Par contre, il ouvre Refined. Et en plus, il n'y a pas de channel. C'est vrai. Et du coup, il n'y a pas de channel. Bon, déjà, vous avez vu... Est-ce que vous avez vu Refined? Et du coup, il y a extra disques, notamment les 148 millions d'items. 1048 millions. 1048 millions, vraiment. Excusez-moi. Et Compact Machine aussi sur ce pack, hein. Ouais. Il faudrait que je crafte la One Probe aussi pour changer ma probe d'en haut. Nickel. Non, mais j'en peux plus de la probe en haut à gauche, c'est trop chiant. Bon, il est où Refined, le chat, là? Vous l'avez vu 10 fois. Je vais mettre deux photos sur Discord dans Bazar. Oh putain. Oh putain, la neige sur la caisse. OMG. La neige sur la bagnole. Il fallait storage add-on. Ouais. Bah, ça m'aide pas en fait, parce qu'il me faudrait refiler le storage du coup. Non mais... Il pourrait pas être dans l'ordre alphabétique, c'est trop complexe. Nous mettre le créant dans l'ordre alphabétique. Genre ça vous trouverait le cul. Mais putain... La voiture était plutôt sous la neige. Bah j'imagine, mais je vois la photo, ouais. Elle est en effet sous la neige, oui. Plutôt sous que su. Ça c'est sûr. Non mais le chat, on en a un point où je sais pas il est où dans Applied. Respectez-moi. Je m'en prie. Mais il est où? Mais attendez, mais il n'a pas de page en créa, c'est ça? Mais quoi? Alors. Mais t'es page 2 en fait. T'es page 2 depuis le début. Tout va bien. Il me faut un craft. Ils sont où les crafters? Les non colorés, je ne sais pas. Ils servent à quoi du coup les storage blocks? C'est juste des storage blocks en fait, je crois. Ouais, parce que ça, c'est un autre truc qu'on n'a pas dit. Il n'y a pas besoin de. Comment dire? Dans Refined, il n'y a pas besoin d'avoir de. De blocs les 64K et tout pour crafter. On n'a pas parlé de ça. C'est vrai. Et on n'a pas parlé du fait qu'on va essayer la Wi-Fi là tout de suite et qu'on va voir que la Wi-Fi elle est gratos. Est-ce que vous le sentez venir? Merde, qu'est-ce que j'ai enlevé? Crafting Ride, je crois. C'est pas grave, je viens de la poser. Non, je l'ai pas posé. Team Grind. Pattern Grind. À la base, on était venu tester quoi? Refined, c'est le tir du crafter qui donne la vitesse du crafter. On avait dit qu'on était venu tester quoi à la base? J'ai déjà oublié depuis. Je m'excuse.
Des fous. Network not found. Il faut quoi pour faire la wifi? La wifi, je m'en fous. Network receiver, network transmitter. Missing network card. Une antenne. Network card. La configure avant. Non, apparemment pas. Là-dedans, ça rentre. Et ensuite? There is no wireless transmitter in range. Ok, on avance. Attendez, vous êtes en train de me dire que... Attendez, parce que ça... Non, le network, c'est obligatoire, je pense. Je l'ai pété, mais je pense que c'est obligatoire. On va essayer 100, mais je pense que c'est obligatoire. 16 blocs ATM. Attendez, vous êtes sérieux? Genre, le Wi-Fi, c'est ça? Ça fonctionne comme ça, c'est tout? Très bien. C'est tout. Ça, là, ce bloc-là. Je suis même... Est-ce que ça... Il y a besoin du... Je crois qu'il n'y a même pas besoin du security. Pas besoin du security. Le wifi, mesdames et messieurs. Ça, là, ça. 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 Voilà. Voilà, voilà le wifi. Alors, applied. Et alors maintenant, c'est quoi les wireless? Il y a des upgrades, j'imagine. Comment ils s'appellent les wireless upgrades? J'imagine qu'il y a des upgrades parce qu'il y a des slots sur le côté droit. Range upgrade, ça doit être ça. Seulement 48. Ah! C'est pas beaucoup 48. C'est pas la folie, quoi. Ouais, c'est un peu satisfactory de Factorio. Une copie en plus beau. Bon, en fait, Refinet, c'est Applied, mais plus jeune, je crois. T'avais une Infinity? Ok, attends. Après, t'as les deux blocs émetteur-récepteur. Et ça va quoi? À extendre? Je crois qu'il y a une sorte de truc portable qui permet d'accéder de n'importe où. Bah, c'est ça, c'est la télécommande. À moins qu'il y a autre chose encore. Il n'y a pas l'air. Hein. Non, pas la télécommande. Ok. Refined Storage Infinite Wireless. Il y a un mode qui s'appelle comme ça. C'est la tonne. Quand tu vois, je crois qu'apparemment ça a été retiré le Wi-Fi Infinite. Semblerait.
c'est juste ça. Ah oui, c'est Osaf Energy. Ou c'est un add-on, ouais, je crois que c'est un add-on. Je remets la pâte thermique sur mon processeur, je crois que je l'ai mis. Je crois que je l'ai mal mis, mes fans tournent à fond. Ah merde. Chiant. Alors ma question c'est, est-ce que on peut augmenter la range avec un network transmitter, network receiver? Network transmitter. Il me faut une network card. Que j'ai. Portable drive. Justement, c'est ce que j'ai essayé et c'est pas infini. Le truc, c'est comment est-ce que tu la setup la carte? C'est ça ma grande question. Bon, c'est pas grave, on checkera plus tard. Ça, on checkera plus tard. Mais je voulais tester quoi d'autre? Oh, c'est bon, on voulait tester le Wi-Fi. Je suis pas sûr que ce soit la Wi-Fi que je voulais tester à la base. Je crois que c'était pas ça. C'était pas ça, mais ça marche bien, donc on s'en fout. En vrai, ouais. En vrai, du coup. On sait que ça marche. On a 48 blocs de Wi-Fi. Ce qui peut être pratique, hein, mais quand même. C'est pas infini. Mais... Je vais regarder vite fait à quoi servent les network receivers et transmitters. Et des machines, je crois. Ouais, bon. Network transmitter. Network transmitter. Alors, ça ne. Donc, on a mis un. Imaginons, on met un transmitter ici. Crafter, tu veux tester? Ouais, bon. Je sais plus pourquoi. Alors, du coup. Comment ça marche? C'est peut-être juste pour lier deux AE entre eux. Enfin, deux reference storage entre eux, peut-être. Hein? Link tout quoi? Attends, il y a ça? Bah non. Possible. C'est plus que ça se bloque. Non. Tout le truc que je comprends pas, c'est qu'il est relié à quoi? Link to moins 47 252. Il y a quoi là-bas en moins 47 262? Hein? Moins 43, pardon. Il y a quoi en moins 43? Rien. Pas sûr de bien comprendre à quoi ça marche. On va essayer avec une nouvelle carte.
Le truc, c'est que quoi qu'il arrive, si c'est juste 16 blocs, c'est à chier. Faut le dire. Si c'est juste 16 blocs, c'est à chier. Ça, à la rigueur, ça peut servir entre des étages. Mais c'est tout. Plus accident. À la rigueur, ça peut servir entre des étages, mais c'est tout. Ah non, là, il te dit la distance entre les trucs, en fait. Et je viens de le poser, pourquoi il s'est cassé? Vous avez vu? C'est chaud. Ali, non mais c'est le contrôle. C'est pas clair. Je suis pas sûr de bien comprendre, mais de toute façon ça ne servirait pas à grand chose, donc on s'en fout. Ah, tu penses que mettre plusieurs torches, ça augmenterait le... la range? Non, je pense pas. J'ai vu des fois le truc qui s'enlevait tout seul. On peut avoir qu'un contrôleur. Je pense pas. Parce que sinon, comment tu lui... Tu vois? Faut faire quoi? Faut mettre de l'énergie? Non, je pense pas. De toute façon, ça aurait pas servi à grand chose. C'est pas clair, mais ça aurait pas servi à grand chose. Donc nique. Alors, the problem, you want to access Verify Net, you lay a cable with session transmitter and machin. Simply graph a transmitter and connect it to Verify and storage system in your main base. Next up, scrap a network card I'm telling you as you need in a second verify me. Crafting a network card a receiver and place it in the area forever. Take the network card, put the network card in the transmitter and enter a signal to. When you're done, simply connect machines to your network receiver according to the normal machine connecting rule. Je suppose du coup 13. Ah! Ah! Non, donc en fait, non. En effet, c'est différent. Attendez. Donc, on va clean notre inventaire. On prend network card. Receiver. Transmetteur et imaginons une grille classique. Ok, donc transmetteur. Receiver. Grille. Carte. C'est ça, ok. En fait, moi, je l'ai vu gris, donc je me suis dit, il faut un contrôleur, parce que quand il y a un contrôleur, il s'allume. Et en fait, il agit comme contrôleur distanciel. Alors maintenant, la question à 257$ que tout le monde se pose. J'ai deux questions, moi, que je me pose. Moi, j'ai deux questions que je me pose. Attendez, il faudrait qu'on ait un chunk loader. Il y a un chunk loader, Non. Alors on va le faire via ça. Ok. Donc, non, c'est pas interdimension, je m'en fous des interdimensions, pas tout à fait. Moi je veux savoir c'est si je vais ici. Que je mets un receiver. Que je link la carte. Que je mets une grille. Que je chunk load ici. Les deux sont chunk loadés, c'est officiel. La carte est liée à là-bas. Ah putain, ça marche. Mais vous vous rendez pas compte de ce que je viens de faire. Je crois que vous vous rendez pas bien compte. Parce que oui.
Oui, on vient de parcourir 177 blocs avec notre AE, enfin notre du coup Refinite Storage. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ça marche? Et si ça marche, ah oh, ça marche, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Le fait que ça marche me dégoûte. Parce que ça veut dire que je mets ça là-dedans. Et si vous suivez ce que je viens de dire, enfin si vous suivez ce que je veux dire par là, techniquement, dans ta base, tu mets une ligne de transmetteur reliée à un câble. Vu qu'il n'y a pas de channel, tu t'en fous. Tu fais un cercle de receiver autour de ta base, de 48 blocs de long, de diamètre, un cercle. Ce qui fait que qu'importe dans le cercle où t'es, et bah, tu auras toujours la Wi-Fi parce que tu es entre le bloc central qui fait 48 et tout l'extérieur du cercle qui fait 48 aussi. Et donc toute ta base elle est Wi-Fi parce que ça marche. Regardez si je vous montre. Attendez, il faut juste que je le. Ah, il faut que j'aille me relier au contrôleur quand même. Il faut quand même que je me relie au contrôleur. Voilà. Et donc là, on est d'accord que je suis bien plus loin que les 46 blocs autorisés. Et pourtant. Et voilà. Et pourtant. Ouais, là, c'est le crafting. Donc, c'est le mauvais, mais vous avez compris, j'ai accès au système. Alors que là, j'ai pas accès. Là, j'ai accès. Donc, ça fonctionne. Donc, ça veut dire que vous mettez un petit cercle autour de chez vous. 48 plus 48, ça fait combien? Ça fait 96. 96 de diamètre. Pop, 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 pop. Enfin, il faut calculer les intervalles, du coup, combien il faut sur les. À part les 4 points, mais. Et vous avez la Wi-Fi sur toute votre base. Le ou la Wi-Fi, comme vous voulez l'appeler, je m'en fous. Donc, Refinite Storage, ça se décrit en deux lettres que je vais écrire dans le chat de Minecraft maintenant. Voilà. Okay. Très bien. Qui me redit un jour de refaire du Applied là, sinon, plus jamais. Du coup. À part si après on voit d'autres problèmes, mais pour l'instant, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, c'est vrai qu'on pourrait se poser une autre question. C'est S cross dimension. Si c'est cross dimension, c'est dégueulasse. Je pense pas. En vrai, ce serait trop fort. En vrai, ce serait beaucoup trop fort. On va cependant essayer. Parce que on est pas à l'abri. Qu'est-ce que je peux prendre comme portail pour changer de monde? Il va falloir que je le build à la main. Bien sûr. Non, mais je peux pas le récupérer comme ça. Donc on va le crafter à la main. Si ça fonctionne, c'est dégueulasse. Je pense qu'on se met bien d'accord sur ce fait. Ah non, c'est pas celui qu'il faut lier, pardon. C'est là-bas. Alors, salut! Mais même dans le. Même en créa sur un F2 test, je peux taper un nether pourri. Oh non, 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 non. Non, c'est pas beau. Oh, ça marche. Putain, c'est pas beau. Oh, c'est pas beau. Oh, c'est pas beau. Oh, ça marche. Oh, c'est pas beau. Fonctionne. Bon, même le multibloc ne marche pas. Ah, chiant. Bah, j'ai l'impression que les abeilles ne vont jamais rentrer dans les apiaires. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, bah, le chat, c'est pas mal, hein? Encore que Tata n'est pas là. S'il regarde l'ardif, il va trouver ça honteux. Mais du coup, ça fonctionne. Le setup est plutôt chiant à installer. Pardon, ok. Le setup est plutôt chiant à installer si vous voulez vraiment augmenter la taille de votre Wi-Fi dans de grandes zones. Par exemple, si je voulais avoir la Wi-Fi chez Laito, ce serait chiant. Est-ce que j'ai un intérêt à avoir la Wi-Fi chez Laito? Pas certain.
Cependant, ça veut dire que par exemple, si je suis en train de miner sous ma base, en train d'éradiquer un truc, bah Wi-Fi, et puis c'est branché. C'est plutôt pas mal. Ça aurait été plus simple avec une range infinite, mais malheureusement, on n'en est pas là. On fait comme on peut. Donc, c'est très sympa, et j'adore ça. Et c'est bon. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, tout simplement. On va s'arrêter là, et on va aller, j'allais dire dormir, non, peut-être pas non plus, mais on va aller se poser sur FF14, ça c'est sûr. Pour aller level up un petit peu. Merci Laito d'être venu jouer. Pas de soucis. Et merci aussi évidemment à Doloco et Ultrasic qui sont aussi passés sur le serveur jouer tout à l'heure. Enfin, ils y sont toujours d'ailleurs. Et nous, mesdames et messieurs, on va se retrouver normalement dès demain. Nous sommes toujours le week-end, hein, parce que demain c'est dimanche. Donc ça veut dire qu'on se retrouvera techniquement à 13h. J'espère vous avoir demain avec nous. Merci beaucoup d'être si nombreux et nombreux sur les streams, ça fait extrêmement plaisir. C'est beau des stats comme ça. Et vous me remplissez de banner. Donc merci à vous, c'est très sympa. J'ai presque envie de vous offrir un lahi pour le plaisir avant de partir. Celui-là était cadeau. Il était sur la maison. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouvera normalement demain 13h. Je remercie encore toutes et tous pour les bits, les subs, enfin la totale. Merci beaucoup à vous. On se retrouve encore une fois dès demain, si tout se passe bien, 13h. Enfin, on se retrouve normalement si tout se passe bien demain 13h. Et je vous souhaite une agréable soirée. Mesdames et messieurs, une nouvelle fois, je vous remercie toutes et tous de passer sur le stream. C'est toujours extrêmement plaisir de vous accueillir. On se retrouve sur la chaîne et sur Twitter. Ah, et puis à la quête. Pardon, j'ai oublié de faire la bouche en sortant. Vous savez que les pubs que je viens de lancer, elles ont été lancées depuis OBS? Parce que tu peux intégrer le bouton des pubs dans OBS? Grâce à ce que j'ai trouvé tout à l'heure? Parce que... J'ai trouvé, non. Ce que Silux m'a montré, c'est une scène. Hein. L'intégration Twitch dans OBS, c'est incroyable. Bref, je vous laisse. Mais une fois, mesdames et messieurs, je vous remercie tous de passer sur le stream. C'est de l'occasion de faire des acquérir. On se retrouve sur la chaîne sur Twitter. Ah, ok, regarde.